En espérant que les deux micros fonctionnent. Eh bien bonjour à tous ces petits cars, comment allez-vous? Je vais vous expliquer tous les défauts, toutes les qualités de ma Civic EJ2 swappé EJ1 D16 Z6 de 135 chevaux éthanol. Il y a beaucoup d'énormes qualités dans cette voiture. La principale qualité, c'est son moteur. Le D16 Z6 de chez Honda VTEC de 135 chevaux qui fait encore 2-3 caprices, mais qui est dans son ensemble très très bon. Donc je vais vous expliquer, déjà j'ai une de mes courroies à changer. Donc, un changement complet, beaucoup de filtres, des trucs comme ça. J'ai aussi mon joint à changer, parce qu'en gros l'humidité est présente dans cette automobile. Et en fait j'avais aussi un problème, ma batterie ne rechargeait pas à cause de ce câble là. Du coup j'avais plus de batterie, enfin elle ne démarrait pas, voilà, plus de galère à cause de ce câble. Donc le moteur est excellent, je trouve excellent avec ma ligne full tube. Mais ça on en reviendra plus tard, mais je vous le dis maintenant. Sauf silencieux d'origine. La deuxième chose, c'est la simplicité. Et quand je parle de simplicité, c'est très simple. Transition. De retour. Aucune électronique. Juste un poste. Et après c'est que du plaisir. Aucune électronique présente dans cette voiture. J'ai le minimum, mais j'ai pas la clim, j'ai rien. Il n'y a pas d'électronique, ça n'existe pas. Même mon allume-cigare ne fonctionne plus. C'est ça que j'aime dans cette voiture, c'est qu'il n'y a pas d'électronique. C'est trop bien, c'est... Mon pare-brise est dégueulasse. La troisième chose se passe à l'arrière. Eh gros, ça va. Ah oui, j'ai ma baguette. On va la remettre pour la vidéo. Je vais la remettre comme ça, hein, mais il faut juste qu'elle va être fixée. Ouais, j'ai l'avantage, comme j'ai dit, d'avoir un assez grand coffre. Donc j'ai des grandes mains et je touche à peine. Donc c'est plutôt une bonne chose, j'ai un grand coffre. Les sièges baguettes, no name. Mais j'aime beaucoup la qualité. Je peux mettre des genres de plus stylés. Rétro spool, on peut changer plein de choses. C'est pas comme la plupart des voitures, mais je trouve qu'avec les Civic, je trouve qu'il y a beaucoup plus d'accessibilité. Par contre, les pièces sont assez compliquées à trouver sur ces modèles là. Enfin, surtout les modèles en général. Je me rends compte qu'on tape ma voiture dans la nuit, je suis heureux. Je suis aussi un homme changé et meilleur. Désolé du vent, je t'apprécie, désolé du vent, si on entend du vent, c'est normal. C'est le vent, je vous dis. La couleur, alors, c'est le bleu vert perlé. C'est un bleu green pearl. Le code couleur, il est là. Hein. Moi je ne cache rien. Le code couleur, il est là. Vert perlé. Donc c'est pour ça qu'elle a des nuisances de bleu et des nuisances de vert que je trouve magnifiques. Donc c'est pour ça que j'aime cette voiture. Pour la rareté, pour la couleur et tout comme ça. Dans ma région, je sais qu'on est deux ou trois, parce que là, il y a un code couleur différent. On est que deux ou trois à avoir la Blue Green de chez Honda. Comme ça, hein, dans la région. Donc après, je sais pas s'il y a ailleurs comme ça. Le camber, ouais, il y en a un peu, mais bon, c'est des choses que tu modifies normalement. Il y en a un peu là. C'est quelque chose que tu peux modifier, mais je l'ai acheté comme ça, déjà toute faite au moins. Ah, l'éthanol. Comment ne pas parler de la Civic sans parler d'éthanol? 20 euros jet plein sur 35 litres. Par contre, consommation, on en viendra dans le mauvais. Parce que c'est. Ça t'aide bien. Avantage, c'est que j'ai la cartographie éthanol. Donc ça, c'est plutôt bien. Et je vais vous faire écouter cette symphonie incroyable. Ah, mais j'ai la courroie. Ah non, ah si. Voilà. Si j'en oublie, je dirais, mais c'est les gros avantages de cette voiture. Maintenant, on va parler un peu des inconvénients. Et il y en a vraiment pas mal. C'est une friteuse. Elle bouffe de l'huile à mort, elle bouffe de l'eau. C'est la logique, tu me diras, comme une voiture. Pendant que j'ai pas besoin de culasse, j'ai pas de problème, j'ai pas de fuite. Donc je sais pas d'où ça vient. Mais peut-être que parce que c'est juste une Honda. Du coup, elle consomme énormément d'huile et d'eau. Je fais quoi? J'en fais même pas un litre par semaine. Donc ça va. Ça, c'est quelque chose qui me saoule un peu, mais bon. Quand le propriétaire fait le mort pour t'expliquer des trucs, ben voilà. C'est pas grave. C'est pas grave frérot, y'a pire. La consommation éthanol, donc je suis pratiquement sans tirer ou en tirant dedans, je fais la même chose. Je fais pratiquement 11 litres au 100. C'est sûr que je fais 300 km et que j'ai 35 litres, c'est à peu près ça. Mais, il y a l'éthanol, mais sauf que c'est compliqué à trouver des stations, même si ça c'est un petit peu localisé, c'est un peu compliqué quand même à trouver. Le fait que ce soit une voiture un peu rare, j'ai un peu peur, parce que du coup, peur des vols et tout comme ça. Même si je sais très bien que... On me la volera pas, tu vois, mais on peut voler, tu vois, je sais qu'on peut voler ce genre d'engin. J'ai déjà eu des vols, je le sais, j'ai un peu peur de... Ça c'est mon caillou frérot. Merci, bisous bico. Et surtout qu'on peut la rayer, alors ça c'est un truc un peu compliqué. Le jour où je l'ai acheté le lendemain, je crois, coup de caddie ici.
On a mis un coup de caddie là. Mais bon, c'est malheureusement les gens ils voient une voiture un peu hors du commun. Du coup, ça rage un peu, ça me saoule. Je vais partir. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Elle est simple et efficace. N'hésitez pas à vous abonner, à poser votre putain gros like. Et on va faire des dingueries. Je peux vous le dire qu'on va, je vais vraiment faire des dingueries. Je suis chaud. Bon, je me prends un kiff. Je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.